tout le monde, nous sommes de retour au tournoi de Hockeyball 2024. L'affrontement aujourd'hui est du côté des visiteurs, les Tigres en orange, et du côté local, les Cavaliers en rosé. Le numéro 1 du côté des Tigres, Ryan Torosyan, était blessé. Or, il sera remplacé par Alexander Zenko. Le 2 est Antoine L'Apostole. Le numéro 3 est Audrey Vinsky. Numéro 4, Elisabeth Carrier. Numéro 5, Evan Panagiotides, qui est aussi le capitaine des Tigres. Numéro 6, Édouard Marcheter. Le gardien de but du côté des Tigres, Ezra Van Der Leo. Du côté local, donc les Cavaliers, numéro 1, Louis-Philippe Robert. Numéro 2, Hrithik Saga. Numéro 3, le capitaine des Cavaliers, Théodore Salahedin. Numéro 4, Jean Belmont. 5, Édouard Duchesne. Numéro 6, Giorgio Chaloup. Le gardien de but du côté des Cavaliers est Léa Avitov. Le trio des Tigres est Audrey Gvinsky, Elisabeth Carrier et Evan Panagiotides. Du côté des Cavaliers, nous avons Louis-Philippe Robert, Hrithik Saga et Jeanne Belmort. Evan Panagiotides, qui fait une passe à Audric. Audric essaie de garder la balle, mais il reste bloqué par Hrithik Saga. Hrithik Saga fait un dégagement repris par Evan, qui tire et c'est raté. La balle est au rouge. Lui, Philippe Robert, qui s'apprête à faire un dégagement. Et non, c'était une passe. Qui est récupérée par Elisabeth Carrier. Repris par Audrey Gvinsky. Audrey Gvinsky a la balle. Et est arrêté par Louis Philippe, qui fait un tir et c'est en haut du but. Fait un dégagement. Repris par Audric. Arrêté par Hrithik. Hrithik qui se combat encore pour faire le dégagement du côté de la zone des Tigres. Qui passe. Louis-Philippe. Qui fait une passe à Hrithik. C'est un tir. C'était un tir sur réception. Evan Panagiotides qui part à Audric, qui passe à Elisabeth, qui fait une feinte à Louis-Philippe, repris par Louis-Philippe. Evan qui fait une feinte à Hrithik. Hrithik qui la reprend, qui la passe à Louis-Philippe. Repris par Audric, repris par Hrithik. Et c'est arrêté et gelé par Léa Avitov. Hrithik qui fait un dégagement, passé à Jeanne. Jeanne qui bloque Audrey Gvinsky, repris par Hrithik. Audrey. Ah, tir de Evan et c'est le but! C'était un tir prolongé. Il a pris son temps, mais en même temps, pas trop son temps, mais c'était un tir doux et contrôlé. C'était. Ça s'appelle un tir balayé. Mise au jeu. Les Tigres récupèrent la balle. Pensez à Elisabeth, repris par Audric. Elisabeth qui fait un dégagement, repris par Louis-Philippe. Repris par les Tigres, fait un dégagement. Et c'est hors jeu. Hrithik Saga qui fait une passe à Louis-Philippe Robert. Qui fait
un tir et c'est repris par Rodrigue Vinsky qui fait un dégagement et c'est bloqué par... J'allais parler à Abdov. Lui, Philippe, qui fait un dégagement. TS a essayé de faire un tir. Evan qui reprend la balle et qui tire. Ok, c'est rendu. Lui, Philippe, qui fait un dégagement et c'est hors jeu. Je pense qu'il a essayé de la mettre sur la bande pour qu'elle roule jusqu'à Jean. Audric Vinsky qui fait un tir et c'est raté. Lui, Philippe Romain, un tir bloqué par Revan et Ezra, repris par Audric Vinsky. Audric Vinsky fait un tir raté. Lui, Philippe qui fait une passe à Jean. Repris par Revan. Qui passe à Audric Vinsky, repris par Louis Philippe. Elisabeth Carrier. J'allais par Ezra, car il y avait une attaque de la part de Louis Philippe. Audric Vinsky derrière le but. Dégagement, repris par Louis Philippe, repris par Evan. Qui tire? C'est raté. Ritzik qui fait une passe à Louis-Philippe. Louis-Philippe qui fait une passe à Evan. Repris par Evan. Evan derrière le but. Le but offensif. Ritzik. C'était la fin du premier changement. C'est rendu à entre les trios du côté des Tigres sont Antoine L'Apostole, Édouard Marcheterre et Alexandre Zenko. De l'autre côté, du côté des Cavaliers, nous avons Diego Chaloux, Théo Salahedin et Giorgio Chaloub. Mise au jeu. Regagné par les Cavaliers ont la balle. Et la passe est bloquée par Antoine. Antoine, tu fais une fin. Dégage pas, Giorgio. Théo, tu as la balle. Antoine, tu tires, bloqué par Juju. Avec Edouard, du côté des Cavaliers, avec tiré. Ça va être mélangeant car il y a deux Edouard dans les deux équipes. Edouard Marcheter à la balle. Bloqué par Juju. Récupéré par Édouard Duchesne. Repris par Antoine. Antoine fait le dégagement. Repris par Giorgio. Nous avons Antoine L'Apostole qui fait une feinte. Qui tire. Et c'est bloqué par Léa Vitov. C'était non but. Ce n'était pas un but. Juju Chaloub avec la balle. Repris par Antoine. Avec Édouard Duchesne. Repris par Théo. Repris par Édouard. Édouard Duchesne à la balle. Qui fait un dégagement. Édouard.
Edouard Duchesne à la balle, derrière le but. Avec Antoine Apostol. Antoine Apostol, il fait un tir et c'est le but. Ah non, désolé, ce n'était pas un but, c'était raté. Edouard Duchesne qui bloque. Edouard Marchotter, il tire et c'est le but. Un but de Edouard Duchesne. Il vient de lancer son gant. Il vient de lancer son gant à un de ses amis. Il l'a repris. Antoine Apostol contre Théo Salahedine en mise au jeu. Changement. Édouard Marcheter contre Édouard Duchesne en mise au jeu. Récupéré par les... désolé, par les cavaliers. Ok. Les tirs récupèrent la balle. Antoine a raté son tir. Édouard Marchette. Édouard Duchesne fait un bloc. Jojo Chaloup s'élance pour essayer de faire un but. Mais c'est... il s'est fait arrêter par Alexandre. Alexandre 2. Nous avons Théo qui affronte Antoine. Ils sont... et c'est... il a passé à Alexandre. Édouard Marcheter est contre Jojo. Passe à Alexandre. Un dégagement de la porte de Alexandre. Repris par Jojo. Repris par Édouard Marcheter. Alexandre fait un dégagement. Édouard Duchesne se croit encore contre Antoine Apostol. Antoine Apostol derrière le but. Dégagement. Édouard Marcheter. Il fait une passe à Antoine. Antoine. Il fait une passe à Alexandre. Alexandre qui fait une passe à Édouard. Édouard bloqué par Jojo Chaloup. Jojo qui fait un out. Désolé, c'est hors jeu. Ok, c'était la fin de la période. Un but marqué par Evan Panagiotides dans les Tigres et un autre but marqué par Édouard Marcheter dans les Tigres. 2-0 pour les Tigres. Le trio sont Evan Panagiotides, Audrey Gvinsky et Elisabeth Carrier. De l'autre bord, nous avons... ah, changement! Les cavaliers sont rentrés du côté visiteur. Le trio des cavaliers est Louis-Philippe Robert, Ritik Sagor et Jeanne Bellemare. Ok, Audrey Gvinsky qui fait un dégagement, repris par Ritik Sagor, qui fait un dégagement aussi, repris par Elisabeth Carrier. Audrey Gvinsky qui fait un dégagement, repris par Evan. Jean Vermont qui passe à Louis-Philippe, repris par Evan, par Njotides qui tire et c'est le but! Un but de la part des Tigres. 3-0 pour les Tigres. Mise en échec. C'était exceptionnel. Il avait fait un tir précis. Elisabeth Carrier qui avait fait une pause. Audrey Gvinsky. Qui fait une passe à Evan. Evan affronte Jean. Evan récupère la balle. Qui la passe à Louis-Philippe. Qui est récupéré par Louis-Philippe Robert.
critique sa gorge. Fait passe à Louis-Philippe Robert qui tire et c'est raté. Audrey Gwinski qui veut un dégagement, mais c'est repris par Jeanne Belmont. Repris par Ritik Sagor. Evan Panagiotides qui fait un tir et c'est bloqué par les cavaliers. Audrey Gwinski qui fait un dégagement, mais c'est repris par les cavaliers qui viennent de Louis-Philippe qui met hors jeu. La balle est donc au orange. Désolé, la balle était au rose. Au rosé. Evan, tu veux un tir du revers et c'est raté. Et Elisabeth Carrier qui vient de faire un tir et ça a été arrêté par Léa Avitov. Louis-Philippe Robert fait un dégagement en même temps par une passe à Ritik qui fait un tir et c'est raté. Repris par Louis-Philippe, repris par Jean Bémor, passe à Ritik. Audrey Gwinski, il fait un dégagement. Repris par Louis-Philippe qui fait un tir. Premier but des cavaliers, c'est rendu 3 à 1 pour les Tigres. Mise au jeu, repris par les Tigres. Audrey Gwinski, repris par Louis-Philippe Robert, qui fait repris par Evan Panagiotides, qui a un tir! Quel but précis sur un 6 à 0! 6! Une mise en échec! C'est incroyablement bien fait! Audrey Gwinski fait un dégagement et c'est un changement! Nous avons maintenant le deuxième trio de tout à l'heure. Théo Salahedin, Edouard Duchesne, Jojo Chaloup du côté des cavaliers et Antoine Apostol, Edouard Marcheterre et Alexander Zenko du côté des Tigres. Nous avons Jojo Chaloup qui vient passer à Edouard Marcheterre. Repris par Edouard Duchesne. Repris par Antoine Apostol. Fait un dégagement. Repris par Théo Salahedin. Repris par Jojo Chaloup. Repris par Théo Marcheterre. Repris par Antoine qui vient passer à Edouard Marcheterre. Antoine Apostol derrière la but des cavaliers. Repris par Edouard Marcheterre. Edouard Duchesne fait un tir et c'est bloqué par Alexandre Dezenko. Arrêté par Ezra Van Der Leo. Nous avons maintenant Edouard Marcheterre qui fait un dégagement. Repris par Jojo Chaloup. Repris par Edouard Marcheterre. Edouard Duchesne qui fait... Nous avons Jojo Chaloup avec Antoine Apostol qui fait un bloc, un tir et c'est bloqué. Nous avons Edouard Marcheterre qui fait une passe à Antoine Apostol qui fait une passe à Edouard Marcheterre. Nous avons ensuite Alexandre Dezenko qui fait une passe à Antoine Apostol qui fait une passe à Alexandre Dezenko. Dégagement repris par Edouard Marcheterre. Un tir, c'est raté. Une passe à
une passe à Antoine Apostole. Antoine Apostole, qui fait une passe à Edouard Marchetal. Nous avons Edouard Marchetal qui fait un tir et s'est bloqué. Alexandre Dezenko qui fait un dégagement. Dégagement repris par son propre coéquipier Antoine Apostole. Qui fait un tir. Oh non, c'est une passe à Edouard Marchetal. Une passe surprise. Une autre passe, mais c'est finalement allé hors jeu. Les oranges ont la Non, finalement, les cavaliers ont la balle. Et Edouard Marchetal qui fait un... Devant Antoine Apostole qui fait un tir bloqué par Léa Viteuf. Un tir de Edouard Marchetal bloqué par Léa Viteuf. Encore Alexandre Zenko derrière qui fait un dégagement. Passé à Alexandre Zenko. Non, c'est Alexandre. Je dis Alexandre Dezenko. Non, je dis Alexandre. Edouard Marchetal qui fait une passe à Antoine Apostole qui fait une passe à Edouard Marchetal. Edouard Duchesne récupère la balle en faisant un dégagement repris par Edouard qui se précipite pour attaquer. Mais Antoine Apostole lui a enlevé son bâton. Donc c'est une pénalité pour Antoine Apostole. Finalement non. C'est juste que les cavaliers commencent avec la balle. Nous avons un but. Je ne sais pas vraiment comment ça s'est passé. Mais il a essayé de faire une passe. Et le goleur a bloqué la face et ça l'a proprement rentré dans son but. Nous avons la foule qui fait des comptes à rebours pour le changement. Et c'est le changement. Edouard Duchesne vient de marquer un but imprévu car il y a eu une assistance des Tigres, même si Edouard Duchesne est dans les cavaliers. Evan s'est rendu les trios du dernier changement. Ok, nous avons Louis-Philippe Robert qui fait une passe à Edouard Duchesne. Lord Duchesne bloqué par Antoine Apostole. Antoine Apostole qui fait une passe à Evan Pagiotides. Nous avons Antoine Apostole qui fait un dégagement repris par Louis-Philippe qui fait un tir et c'est raté. Nous avons Edouard Marchetal qui fait une passe à Evan qui tire. Et c'est joli par Léa Viteuf. Louis-Philippe Robert s'apprête à faire un dégagement. Une passe ratée. Repris par Edouard Marchetal qui fait un autre dégagement. Repris par Antoine Apostole. Antoine Apostole qui se combat encore contre Louis-Philippe Robert. Repris par Jean Belmont. C'est Antoine Apostole qui fait une passe à... qui fait une passe à Evan, qui fait une passe à Antoine, et Antoine la met hors jeu. Ok, Evan qui fait un tir, c'est raté. Nous avons Antoine Apostole qui fait une passe à Evan, bloqué par Jean, repris par Edouard Marchetal qui fait un tir et c'est bloqué. Louis-Philippe.
s'apprête à faire un passement au dégagement. Dégagement. Heinz. Bâton élevé pour les cavaliers. Edouard, il ne savait pas. Et il a fait le bâton élevé. Edouard Chien, numéro 5, bâton élevé. Nous avons Evan Pavichotides qui fait une passe à Antoine Apostol. Fin de la partie. Un beau match. 4-2 pour les Tigres. Le sommaire de la deuxième période est un but pour Evan Panagiotides qui a aujourd'hui... Non, deux buts par Evan Panagiotides qui a aujourd'hui, il a fait un tour du chapeau. Un but en première période et deux buts en deuxième période. C'était un bon match et merci d'avoir écouté. Je vous remercie. Et ici Philippe Bergeron, en direct, de retour au prochain match.